Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison 2. Et on va commencer par la F2 en tant qu'apéritif. On est à Monaco pour la dernière épreuve et vous voyez qu'il pleut des cordes sur ce circuit de Monte Carlo. Et c'est Jeannot Cloutet, le dernier du championnat, qui part en pole position. Matteo Gioppi qui est le premier des candidats au titre, du coup sur la grille, partira en première ligne devant Berli, Hirochiji, Ludo. Un autre candidat au titre partira en cinquième devant Kinder, Hacker, Anis, Mojo, Vaxivière, Clément Broyard, Robin Duhamel et Antoine Edogawa. Mais où sont Maël Sales et Aquari? Ils sont complètement fourrés dans leur qualification là. Ils sont un petit peu plus loin derrière. Mais en tout cas, Jeannot Cloutet, il a qu'un seul point au championnat et là d'un coup il sort la pole comme ça. Est-ce que ça serait son moment de gloire là, ce chant du cygne, vous savez, pour se sauver comme ça? Et on a ensuite Blabla F1, Jean-Baptiste VBR, Rakils, Aquari P16 devant Hog, Jean-Baptiste Banane, Rodiger, Pepinter, Strigoon, Dillman et Miles Siles par 23e. Oui, il est le leader du championnat avec 17 points d'avant, je crois, ou un truc comme ça, mais vu la position de Gioppi sur la grille, ce serait lui qui serait champion, alors qu'il n'a jamais mené. Là, il prendrait le lead sur le dernier Grand Prix. Et les 5 feux vont s'allumer, s'éteindre et c'est parti. Est-ce que Miles Sales va remonter à cette position pour revenir? Ou alors est-ce que Gioppi et Ludo vont capitaliser sur le fait qu'il n'est pas bien placé? Et est-ce qu'Aquari va pouvoir remonter aussi sur Ludo? Parce qu'Aquari n'est pas trop bien placé sur la grille non plus. Et c'est parti. Pas d'accident au premier virage, je suis étonné, je me suis dit qu'il allait en avoir un. Mais non, pas d'accident, ils ont été très propres. Vous avez vu ici le classement vite fait, là, il y a eu un petit flash de classement. Et on va essayer d'ici de voir ce qui, à peu près ce qui se passe, un peu compliqué là avec toutes les gouttes d'eau et tout qui prennent toute la caméra. Mais pas d'accident à noter, hein. Pour l'instant ils sont très très propres. Ils font attention à ce qu'ils font. Ouais, par contre ici ça peut crash là, parce qu'effectivement l'épingle des fois ça peut faire des accidents et voilà, il y a des débris, ça commence. Il y a des ailerons qui s'envolent dans tous les sens. C'était sûr que ça allait pas rester propre. C'était sûr, ça n'allait pas rester propre et avoir une bourde, sûr. Et ça a déjà cassé pour certains. On va voir qui c'est tout de suite, en tout cas drapeau vert immédiatement, mais c'est bouché là. C'est complètement bouché. Et il y a déjà un DNF. Et on est côte à côte avec Dillman ici. Mal, ça, elle s'est débarrassée de Lenny déjà. Ça fait déjà une place de gagner pour lui. Et il va devoir se débarrasser des chances en aileron derrière. C'est un peu le bordel là pour trouver sa place. J'essaye de trouver ma place sans gêner aussi en même temps. C'est un peu compliqué. Et pour l'instant, Maïssa, est-ce qu'il a déjà gagné pas mal de positions? Et on est bloqué derrière d'autres pilotes sans aileron. C'est le chaos absolu. Je disais, ils étaient extrêmement propres, j'ai rien dit. Hein, là. Juste après, c'était le chaos absolu avec la moitié du field, je suis sûr, sans aileron cassé. Alors que j'essaye d'éviter à peu près tout ce qui se passe, je passe sur l'extérieur pour passer tout ce qui... Pénalité. Quoi? D'accord, j'évite tout le monde par l'extérieur, je suis pénalisé, je prendrai fou pour ça, d'accord. J'aurais dû leur rentrer dedans alors, je présume. Oui, c'est tout à fait normal. Alors que Jeannot Cloutet est toujours en tête hein, de son Grand Prix, hein. Il n'a pas lâché le lead. Là vraiment, il est en train de tout donner pour sauver sa place en F2, j'ai l'impression. Et safety car qui a été déployé, safety car qui a été déployé, tour 4. Voiture de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a abandonné? C'est Ryan Hills qui a abandonné. On voit ici les autres abandons qui ont lieu en début de course, donc Anis et Kinder. Et la voiture de sécurité est repartie quelques tours plus tard, et immédiatement après, vous voyez, il y a un énorme carambolage. J'essaye de me faire une place, mais le problème, c'est que je me fais tasser dans tous les sens. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et Aquari, qui est sans aileron avant. Il y a d'autres DNA et pénalités. Non, mais le jeu, ça va, oui. Le jeu, il... On a vu Jean-Baptiste VBR abandonner sur le côté. C'est le chaos complet. Gioppi devant Ludo. Pour l'instant, ce serait toujours Gioppi en tête du championnat. Parce que Miles Sides a DNF. Et il va devoir prier pour que Gioppi et Ludo descendent en position. Parce que sinon... il va perdre le titre, et il va potentiellement perdre une place en F1 aussi. Et disqualification d'Aquari ainsi que de Dillman. Les abandons et les disqualifications continuent de s'enchaîner ici. Alors qu'on est ici Blabla F1 avec sans aileron avant. Et on n'en est même pas à la fin de la course, c'est le bordel. Et Matteo Gioppi qui s'est planté. Matteo Gioppi qui s'est planté, c'est le dernier tour. Si je ne dis pas de bêtises, Matteo Gioppi qui s'est planté, ça veut dire qu'il perd ses chances de titre. Il a tout lâché dans le dernier tour.
Et donc, vu que Ludo est second, cela veut dire que le Québécois va remporter le championnat de Formule 2. Il a fait deuxième, il a terminé deuxième. Ludo champion de Formule 2. Berly qui prend sa première victoire. Mais c'est Ludo qui est champion de F2. Hiroshiji qui complète le podium. Miles Siles qui a DNF. Matteo Gioppi qui a DNF. Ceux qui étaient les deux premiers du championnat avant son Grand Prix qui ont choke tout simplement. Aquari s'est fait disqualifier. Ludo qui a gagné le championnat n'étant tout simplement le seul candidat au titre à avoir terminé tout simplement. Il a réussi comme ça. Alors que tous les autres, bah, ils ont abandonné. Regardez cette liste d'abandons. Bon, je me suis disqualifié moi-même parce que ça servait à rien que je continue. Mais regardez toute la liste d'abandons et de disqualifications, quoi. Et oui, hein, Monaco reste Monaco. C'est pas pour rien que... C'est très redouté, ce circuit, surtout en F2. Là, on l'a vu, là, ça y est, c'était catastrophique. Et Ludo, World Champion... champion de Formule 2. Pourquoi je dis World Champion? C'est Canal+, qui dit ça, arrêtez. Miles Siles, deuxième à 5 points. Donc ça veut dire qu'il aura quand même son baquet en F1, puisque c'était les deux premiers de Formule 2 qui allaient prendre la place dans l'équipe restante. Donc Ludo et Siles seront en F1, le reste va devoir redoubler en Formule 2. Donc Gioppi derrière avec Aquari. Hiroshiji quand même à 28 points du lead. Hein. Vraiment, Hiroshiji, il aura fait une très très bonne seconde partie de saison. Dommage, s'il avait fait une aussi bonne première partie, peut-être qu'il aurait été dans la lutte. Peut-être, qui sait. Ensuite, on a Melsen devant Anis, Blabla F1, Berlin, Lenny PNR, Hacker, Banane, Kinder, Robin, Dillman, Strigoun, Edogawa, Jean-Bat, Rodiger, Raki, Mojo, Vaxivière, Hog et Jeannot qui n'a pas marqué le moindre point sur ce Grand Prix alors qu'il partait de la pole. Il avait DNF en se plantant tout seul. Donc, du coup, ça fait qu'il reste à un seul point et qui donc risque de se faire jarter. Et oui, pour laisser place au nouveau. En tout cas, son avenir est incertain. Pas de bol pour celui qui était en F1 en saison 1. Mais du coup, ça veut effectivement dire aussi que tous les baquets du coup sont connus pour la saison 3 en Formule 1. En Formule 2, c'est pas trop connu. On refera un tirage au sort. Parce que de toute manière, ça changerait. Et puis ma sauvegarde, elle est corrompue. Donc je vais refaire un tirage au sort pour cette Letty. Mais je vais faire pareil. Voilà, tout simplement. Donc du coup, Ludo, champion de Formule 2. Maintenant, qui sera le champion de Formule 1? C'est la véritable question. C'est la question que tout le monde se pose. On a 6 candidats en Formule 1. On a Kevin VDL, on a Tim Moon, on a Nick Sam, on a Guillaume Stop, on a moi et puis on a Jambon. Donc, séparés en 20 points. Et on a Mercedes et Toyota qui vont se disputer le titre constructeur. Voilà, vous voyez ici les baquets, voilà, vous avez les line-up devant vous, tout est prêt pour la saison prochaine. Du coup, il n'y aura pas forcément besoin d'une vidéo de pré-saison, vu que les line-up sont déjà connus. On attaquera directement la première course pour savoir quelles performances seront montrées, parce que c'est vrai qu'il y a un changement de réglementation qui, je vous ai pas montré en quoi ça changerait, mais en fait ça changerait tous les tiers. Oui, vous avez bien entendu, tous les tiers. Donc ça va être un sacré bordel, n'importe qui peut se retrouver devant. En tout cas, on se retrouve pour le Grand Prix de France, pour Host, le dernier justement Grand Prix de la saison, le premier. J'en suis déjà à la saison 3, Zébi. Allez, on va en finir avec cette saison. Qui va remporter le titre F1? Allons-y. Nous sommes de retour au Castellet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté sa première victoire au Grand Prix de France lors de sa course inaugurale en 1906. Il leur faudra ensuite patienter 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir le trophée. Nul doute qu'aujourd'hui, ils donneront tout pour satisfaire leurs fans français. Le circuit Paul Ricard compte 15 virages pour une longueur totale de 5,8 km. Les pilotes devront tendre leur trajectoire pour passer la célèbre courbe de Signes à fond absolu et enchaîner sur le double droit ultra rapide du Bosset. On peut s'attendre à des manœuvres de dépassement à la fin de la ligne droite de départ et dans la grosse zone de freinage de la chicane nord.
Et pour la dernière fois cette saison, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Martin en cabine de commentaires. La pause hivernale est imminente et il ne serait pas surprenant que la plupart des écuries aient déjà commencé à se focaliser sur la prochaine saison. Mais il reste encore du travail pour cette année, le classement du championnat n'est pas encore figé et les pilotes ne vont certainement pas commencer à ralentir le jeu aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Iceman part en pole position, accompagné de Romain Grosjean qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Bottas, Hamilton, Jordan King et Verstappen. Giovinazzi, Vettel, Ocon et Kimi Raikkonen. Albon, Russell, Daniel Ricciardo et Leclerc, Gasly, Stroll, Lando Norris et Luca Giotto. Kvyat et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. We're still in with a shot at the driver's title. It's down to this. Now go out there and come back a champion. Bon, honnêtement, ça va être compliqué de come back as a champion, parce qu'on a 19 points de retard sur le lead, il faut absolument qu'on gagne et que tout se passe dans notre sens derrière, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Les 5 feux vont laisser place à la course et c'est parti pour ce départ du Grand Prix de France. Et c'est un excellent départ, j'ai l'impression, derrière de la Williams, effectivement, qui arrive sur l'intérieur. Excellent départ, mon coéquipier aussi. Et attention, oula, ouais, ça commence bien, dis donc. Ça commence bien, dis donc. La Williams qui a complètement overshoot, is breaking zone. Il a fait un dive absolument zinzin, là, la Williams. Qu'est-ce qui s'est passé, là, au premier virage? Non, mais il a carrément coupé le virage. Non, mais non. Il a carrément coupé le virage pour tenter de passer, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, ça provoque un bordel absolument cataclysmique. Comme l'a dit Nick Sam sur la première de la saison dernière, la dernière course où le titre se joue ne se fait pas sans le bordel au début de course. Voilà, ou quelque chose du genre, si je me souviens bien. Ça fait un petit moment, donc bon, si je me souviens pas au mot près, m'excusez. Mais effectivement, Romain Ferca, là, il est un peu froid, là. Dommage, hein, parce qu'il a vraiment fait un bon départ, il pouvait prendre la deuxième position, mais non, il a été trop gourmand, il s'est dit, vas-y, je vais tenter d'avoir la première. Ouais, non. Il a été un petit peu optimiste. Bon, c'est une erreur de débutant, mais après, ça a provoqué un gros bordel derrière. Ça a cassé les ailerons de Timon et moi aussi, parce que j'ai dû l'éviter. Je pouvais pas éviter la Mercedes à ma droite et la Williams à ma gauche en même temps. Je pouvais pas tout faire. Du coup, malheureusement, j'ai mon aileron qui est cassé. Et tout ça, ça profite à Guillaume, hein, tout simplement, qui s'en est sorti sans rien. Il mène son Grand Prix. Franchement, comme je l'ai dit la course dernière, si Guillaume remporte le titre en ayant eu un retard de 101 points sur Kevin, je crois, à la fin de la 10e course, un truc comme ça, ça serait vraiment exceptionnel. Donc du coup, on rentre au stand tour 1, on va chausser les hardes, hein, on va pas se poser de questions. C'est pareil pour Mercedes, ça met les hardes pour Timon. Il y en a d'autres qui rentrent au stand aussi. Si vous entendez les bip bip bip, ouais, ça va, c'est le truc des stands. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, ça fait bip bip bip, c'est un peu ennuyeux, mais bon, c'est comme ça. Allez, on met l'aileron, on met les hardes, et c'est parti. On y va à nouveau. Et on va se retrouver en 14e position. Mais en fait, on a le lead virtuel, hein, techniquement, puisqu'on n'a plus d'arrêt à faire. Mais le problème, c'est qu'il va falloir gérer les pneus jusqu'au bout. Et le Castellet, il bouffe les pneus. Alors vous voyez ici les pénalités, les avertissements. Beaucoup de pénalités, hein, qui ont été distribuées. Mais pas de Romain Ferca dans le directeur de course. Très étonnant, parce que c'est lui qui a un peu initié le gros carambolage qu'il y a eu au départ. Mais bon, le directeur de course, on dit, bon, allez... Hein, nope. Très bien, donc il a eu de la chance, parce que c'est vrai que bon, il aurait pu se faire pénaliser pour ça, il a eu de la chance, mais il fait partie de ceux qui sont arrêtés aussi, hein, donc il va être bien placé. Après, le but, encore une fois, c'est de pouvoir maîtriser ses pneus. Donc techniquement, le classement, c'est que je suis devant Timon et Louis Chardon, du coup, de Mister Louis, qui se retrouverait troisième, et puis tous ceux qui ont pit pour les hards, bah, se retrouveraient derrière, juste derrière. Maintenant, après, comme je l'ai dit, c'est tenir face aux pilotes qui auront des médiums neufs un peu plus tard dans la course. Donc du coup, la voiture de sécurité qui va nous relâcher et laisser les fauves s'attaquer pour une dizaine de tours pour voir qui va remporter ce titre. C'est la véritable question. Et on va directement attaquer ici Paul van der Ven sur l'extérieur. Et on est côte à côte. Il faut absolument qu'on se débarrasse de tous ces pilotes-là parce que... Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, il faut le faire le plus vite possible, plus rapidement que nos adversaires.
parce que du coup ça va les boucher, mais et en plus si on est trop longtemps retenu derrière, bah ils peuvent faire un arrêt d'avance devant tout simplement, ou alors une bonne avance, et puis ils auront moins à gravir quand ils auront leur pneu neuf et ils seront un peu plus chiants à retenir en fin de course. Donc il faut absolument qu'on perde le moins de temps possible, même si on a l'avantage stratégiquement. Il faut qu'on attaque immédiatement, justement qu'on profite de l'avantage pneu qu'on a maintenant, parce qu'on va attaquer des pilotes qui ont des médiums, des soft usés, peut-être même des hard usés, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont des pneus usés, et il faut qu'on profite de notre capital pneu pour aller les doubler. Alors qu'ici ça se bat devant, avec une Alfa Romeo et une Williams. Un joli côte à côte, un joli bataille là entre ces deux pilotes, et la Williams qui a l'air de tenir le coup. Donc ici j'essaie de mettre la pression à la McLaren devant, il y a une pénalité pour Santino Andreoli. Donc bon, ça ne devrait pas trop poser de problème. On passe ici Draken et on devrait dépasser l'Alfa Romeo. Oh là là, la McLaren qui a tenté de me décroiser quand même, attention. La McLaren qui a quand même tenté, hein. Le décroisement c'était quand même risqué, là il n'était pas vraiment à hauteur. Mais c'est bon, ça va rester derrière. Et Agathe ici, pénalité de 5 secondes. Et Guillaume qui rentre au stand avant tout le monde pour les arrêts réguliers. Ça rentre tour 5, donc fin tour 4, pour mettre les hards, je suppose, hein, puisque les médiums 10 tours c'est compliqué. Ouais, c'est les hards qui sont mis. Ça va aller probablement jusqu'au bout pour le pilote Toyota. Donc ça fait l'undercut, même s'il menait avec une bonne avance, hein. Il veut faire l'undercut quand même, c'est intéressant comme choix. Franchement, en vrai, il aurait pu justement durer un petit peu plus, vu qu'il avait cette avance, c'est plus agressif en fin de course, mais bon, ok. Stratégie de mon équipe, pourquoi pas. En vrai, bon, ça veut garder la track position, ça veut assurer, d'accord. Bon, en vrai, ça se comprend. Donc, il y a une belle bataille devant moi. Il y a des belles batailles un peu partout, c'est en train de se bloquer derrière, c'est bien. Timon, il est toujours bloqué derrière le trafic, d'ailleurs, et tous ceux derrière, forcément. Nous, on monte bien, hein, comparé à eux, hein. En vrai, on remonte bien. Et hop, deux places de gagné, bah là ils sont en soft usé, hein. Là ils doivent vraiment mourir là en termes de rythme, c'est vraiment compliqué pour eux. Et regardez comment on rattrape l'Alfa Romeo, c'est n'importe quoi, là on va le bouffer, hein. Dans quelques virages, s'il rentre pas maintenant, il va être mangé là, Hugo McTavish. Dans le dernier virage peut-être, ouais, non, on est un peu plus safe, on est un petit peu plus safe, on va pas casser les ronds une nouvelle fois. Et on va prendre l'aspiration ici, on va venir chercher l'Alfa Romeo, on va venir à la hauteur. Non, je vais pas continuer ça, parce qu'après, il dit des choses pas très catholiques. Allez, on va décroiser. Hop là, et on dépasse, et on prend la troisième position. Et Rubens Moreau et Tovigno devant, ils doivent encore s'arrêter. Donc on est bel et bien en tête du Grand Prix. Et tour 6, ça rentre au stand pour pas mal de pilotes. On voit ici Nick Sam, l'un des candidats au titre, Kevin VDL, je crois. On rentre au stand, il y a l'automation, la Sauber, c'est pas encore l'automation, c'est saison 3 l'automation. La Sauber de Mysterion au stand, il y a une Ferrari au stand aussi, c'est Aurefox. Donc Aurefox et Mysterion justement qui ont disputé leur dernier Grand Prix avant d'avoir une retraite paisible justement. Et vont ressortir un petit peu plus loin. Et vont pouvoir bien attaquer sur leurs pneus. Alors qu'ici il y a la McLaren qui va tenter le move sur la Formule, c'est Agathe qui se débarrasse. Hugo McTavish qui va se faire attaquer par la Ferrari Belinda, l'Alfa Romeo. Qui n'a toujours aucun rythme de course, espérons pour eux, bah, justement quand ils seront rachetés par Audi, je vais chez eux hein, d'ailleurs la saison prochaine, donc oui, il faut absolument que j'espère que la voiture soit meilleure la saison prochaine, sinon c'est un petit peu cataclysmique, on va pas se mentir. Et ils sont toujours côte à côte, les deux pilotes, il fait ce qu'il peut quand même avec son Alfa Romeo là, il est en train de se battre avec la Ferrari qui va avoir justement la saison prochaine, et Belinda qui va prendre forcément l'avantage alors qu'on a ici Jambon Stand, Tovigno continue. Parce qu'il est temps en médium, c'est logique. Moi je continue. Et ça voilà. Et les derniers en soft, ils vont rentrer. Puis ceux qui sont en médium, ils vont continuer un tour de plus. Ils devraient rentrer pour mettre des soft 9. Oh, c'est bloqué. C'est bloqué. Rubens Moreau qui est largement bloqué là. Oula, attention, il a été largement bloqué par le trafic qui est rentré au stand. Ça peut être extrêmement préjudiciable. Surtout que les autres ont dû faire l'undercut, il va se retrouver à des mailles, il va se retrouver hyper loin derrière là en fait. Il va se retrouver loin derrière, il va se retrouver derrière une Sauber. Ah oui, non mais là il a tout... Il va se retrouver même derrière la Renault de Kevin VDL, ah oui d'accord. Ah ouais, l'arrêt au stand pas rentable là pour Rubens Moreau, c'est pas du tout rentable. Bon bah là je pense qu'il est hors coup pour le titre pilote par contre. Même s'il a le titre championnat qualif, hein, ça il l'a. Mais je pense que pour le titre pilote, le championnat pilote, ça risque d'être compliqué. Alors qu'on a ici Kevin VDL qui tente de se maintenir dans sa position
pour rester dans ses chances de titre, parce qu'avec moi en tête, il faut que Kevin y soit 7ème homme, quelque chose du genre 6-7ème. Il faut qu'il se maintienne dans ces positions-là. Il est en train de se battre corps et âme pour rester justement dans la position qui lui ferait gagner le titre. Kevin d'ailleurs qui n'a jamais lâché la tête du championnat, même si ça a été très serré parfois, justement quand Kevin et Timoun étaient à égalité à un moment du championnat, juste avant l'Espagne, donc le moteur de Timoun décide d'exploser bien sûr. Et nous on va reprendre notre position tranquillement. On a ici Timoun en seconde position justement. Donc en fait ça serait Timoun qui serait champion à la deuxième place là, non? Il faut que je fasse les calculs. De toute façon, le monteur, il fera les calculs. Hein. Normalement, vous aurez les calculs en bas à droite. Normalement, si le monteur, il fait bien son boulot. Alors qu'on a ici Guillaume Stop qui est un petit peu plus loin. Mais lui, il a des médiums 9. Et lui, il va pouvoir faire le comeback. Et on a ici Guillaume Stop. Regardez, il va tenter l'intérieur directement sur la Toro Rosso. Et il y a les autres voitures devant. À mon avis, il va faire qu'une bouchée de certaines voitures. Il est déjà derrière la Williams, regardez, c'est magnifique. Hop là, à l'intérieur. Et il dépasse la Williams. Il faut qu'il remonte beaucoup de positions quand même pour s'assurer des chances de titre. C'est Kevin VDL maintenant qui est juste devant lui. Bah, il faut qu'il s'en débarrasse immédiatement. C'est Kevin VDL et Louis Chardon, je crois, qui sont devant lui. Et il va prendre l'aspiration sur Kevin VDL. C'est Nick Sam hein, qui est un petit peu plus loin derrière. Lui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut absolument qu'il remonte lui aussi s'il veut des chances. Et Guillaume Stop qui va se débarrasser de Kevin VDL. C'est déjà une... Oh, j'ai rien dit, il est toujours là en fait. Guillaume avec ses pneus hard plus frais. Il va passer. Guillaume Stop, no problem. Et maintenant il va prendre l'aspiration sur The Mister Lui pour avoir son podium. Si Guillaume veut remporter le titre, il faut qu'il mène la course. Parce que Kevin 5ème, il faut qu'il soit premier Guillaume, il n'a pas le choix. Alors que Timoun a pris la première position, justement c'est un replay. Avant que Guillaume Stop fasse le move sur Kevin VDL. Et Timoun qui reprend immédiatement la première position. Mais rassurez-vous, on va venir le réattaquer immédiatement dans le bossé. Et ça passe pour reprendre le lead. Et il m'a tapé! Oh le saligo! Oh le saligo, il m'a mis en tête à queue. Non mais... il a même pas cherché à doubler. Il m'a juste rentré dans le fion, quoi. Super. Merci, hein. Merci, Timoun, merci. Et du coup, il va repartir premier, mais oui, mais si c'est comme ça qu'il s'adjuge le titre, c'est scandaleux. Hein. Alors là, si c'est comme ça qu'il s'adjuge aussi, c'est scandaleux. Et je l'ai vu rentrer au stand, je crois. Je l'ai vu rentrer au stand, il a dû casser en faisant sa connerie, et bah chier. Ouais, il est bâché, voilà, ça t'apprendra à faire des bêtises comme ça, non mais oh. Le mec, il s'est dit, vas-y, allez, je te mets dehors, et je prends la victoire pour mon Méo, et ça va. Tranquille, le frérot, là. Alors qu'on a ici... Ouah, Guillaume Stop sur The Mister Lui pour prendre la troisième position maintenant. Voilà qui est fait. Enfin, la deuxième position du coup, parce que Timoun s'est arrêté. Donc, c'est la deuxième place qu'il a pris. Il faut qu'il gagne une place supplémentaire. Il faut qu'il dépasse Franglais du coup, qui se retrouve premier. Oui, oui, Franglais est premier avec Sasa Huber pour l'instant. Et je vais venir ici dépasser Auré Fox pour prendre la sixième position. Nous aussi, on est dans la remontée, même si nos pneus hard ils sont complètement détruits. Et Romain Ferca est juste devant, 5ème place. Hein. Romain Ferca, en vrai, il a fait un bon recovery là, depuis son accident au premier tour. Et on est entouré de Nixam et de Auré Fox. Et vu qu'ils ont des médiums plus neufs déjà de base et plus tendres, ça risque d'être compliqué. Voilà, je peux même pas les réattaquer au freinage. Et je pense que pour moi, malheureusement, mes chances de titre sont aussi râpées. On essaye de se battre jusqu'au bout face à la Red Bull, mais malheureusement, ça ne tiendra pas. Et je pense que pour moi aussi, les chances de titre, c'est baisé. Donc ça va probablement se jouer entre Kevin VDL et Guillaume Stop maintenant. Parce que Timoun il s'est arrêté, Jambon il est loin, moi je suis trop loin, Nick Sam il est trop loin aussi. Il faut qu'il gagne quelques positions. Donc ça va vraiment se jouer entre Guillaume et Kevin du coup. Il faut que Guillaume dépasse Franglais. Alors qu'il y en a ici Mysterion, je cherche même pas à défendre. Mes pneus ils sont complètement détruits, pourquoi j'irais chercher à défendre honnêtement? Honnêtement, c'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Je suis en 9ème position, je suis en train de dégringoler malheureusement. Et il y a Nox qui arrive derrière. Oh le désastre. D'accord, je me fais doubler par une Toro Rosso. Tout va bien, je me fais doubler par une Toro Rosso. C'est quand même le décroisement pour défendre, merci. Quand même, on va éviter le déshonneur de se faire doubler par une Toro Rosso. Ça reste l'avant-dernière force du field quand même, merci frérot. Et il va réattaquer en plus, non mais...
c'est bon là. C'est bon, ça m'a achevé. Et puis il y a la Mercedes de Rubens Moreau aussi en 12e position, alors qu'il y a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un yellow, il y a un yellow, qui c'est qui... C'est Nick Sam qui c'est qui a l'arrêt. C'est Nick Sam qui a l'arrêt. Qu'est-ce que... Il a une casse moteur? Ne me dis pas que c'est encore le moteur Renault qui a flanché. Ne me dis pas que c'est encore le moteur Renault qui a flanché. Si c'est ça. Non mais... Pff, non mais le, c'est une blague. Hein. Cinquième casse d'une moteur Renault. Ah bah je pense que Nick Sam sera très heureux d'aller chez Toyota la saison prochaine. Hein, parce que là, deux casse moteurs en trois courses. Ouais, c'est un petit peu désastreux là, honnêtement. Alors qu'on a ici la Williams de Tovigno qui va se défaire de la Toro Rosso de Benjamin Ocks. C'est lui qui a les pneus frais du field, hein, vu qu'il s'est arrêté plus tard. Il partait en médium, hein, je rappelle. Il a mis les hard, il a pas mis les soft. Ils ont été un petit peu frileux quand même. Mais l'avantage pneu fera là, quand même la différence et ça passe. Pour la Williams qui va prendre la 10e position, je crois, ou un truc comme ça. Moi, j'essaie toujours de maintenir ma 9e place comme je peux. Et Jambon qui se défait de Benjamin Ocks pour prendre sa 11e place, alors que je glisse complètement. Mes pneus arrière sont complètement détruits. Et la Williams qui va venir m'attaquer d'ici prochainement, il est déjà... Ouh là, il est déjà en train de m'attaquer directement dans le secteur sinueux, comme ça, là. D'accord, comme ça, mon ref. Et on lui ferme la porte. Quand même, on va essayer de se battre un minimum pour rester dans les points. Ça serait quand même bien de faire un Grand Prix à peu près correct. Bon, c'est vrai qu'on partait de la pole. On partait de la pole et on va finir 10e, 9e. 9e, bah oui, j'étais 8e avant vu que Nixam a DNF, je suis con. Donc là, je défends 8e position. Et on défend sur Tovigno tranquillement. Donc ça veut dire que Jambon est tout juste dans les points. Ce qui n'est pas suffisant, évidemment, pour lui, pour s'assujer le titre non plus. Et on défend très très fort face à la Williams. C'est le dernier tour. On va quand même essayer de faire quelque chose pour marquer quelques petits points pour la lutte au constructeur. Ouh là là, ça glisse beaucoup. Mais il y a eu le constructeur hein, quand même. Donc il ne faut pas laisser passer Rubens Moreau. Il ne faut pas laisser passer évidemment Timoun. Bon après il est un petit peu plus loin, donc ça risque de pas être trop un problème. Et Tovigno qui va dépasser ici à l'intérieur et prendre le lead. Et Rubens Moreau qui va y aller ici à l'intérieur pour prendre la 9e position. Non c'est bon, on freine assez tard, on drift. On n'a plus d'adhérence. La Toro Rosso qui tente de dépasser la Mercedes, tout va bien. Alors qu'on a ici Noctawa qu'on retrouve, qui est en train de regarder cette bataille avec la Ferrari juste derrière, et le 3 de front à signe, non mais les gars, calmez-vous. Et Nox par l'extérieur, non, calmez-vous, là, ça c'est... Faut arrêter les conneries, là, au bout d'un moment. Et on y va, à l'intérieur du bossé, et on dépasse Rubens Moreau pour prendre la 9e position, passe au pilote Mercedes. Et pas d'accrochage cette fois-ci. Alors que Franglais aura tenu toute la course à sa Guillaume Stop, à moins qu'il fasse le dépassement au dernier moment. Non, ça ne sera pas le cas. C'est donc la Sauber, Franglais le bourreau de Guillaume. Et du coup, ce sera Kevin qui remportera le titre à la fin de cette saison. Incroyable, ça s'est vraiment joué à ça. Franglais le bourreau de Guillaume. Et on s'est encore accroché à cet endroit par une autre Mercedes. Bah, c'est celle de Jean. On s'est fait accrocher deux fois au même endroit par une Mercedes, magnifique. Pff, on passe très très près de l'accident par contre. Bon, bah les deux Mercedes sont hors des points, donc je pense normalement on est champion constructeur malgré tout, mais fin de course absolument catastrophique. Et du coup Franglais qui va prendre sa première victoire de la saison, qui va empêcher Guillaume de prendre le titre et donner le titre du coup à Kevin VDL, Renault à domicile. Qui prend donc le titre pilote. Toyota va prendre le titre constructeur. C'est une fin cataclysmique. Mes pneus arrière en surchauffe. Bref, il faut en finir avec ce Grand Prix. Et on va passer à la saison prochaine. Et se recentrer pour être prêt. Ok, good effort. Good effort. I know it's been a tough year and we've been through a lot. But we'll keep at it. Keep improving. And we'll bounce back next season. La fête va bientôt commencer et nul doute que ce sacre est amplement mérité. Cela peut paraître simple parfois, mais n'importe quel pilote vous le dira, à ce niveau, la compétition est acharnée. Voilà ce que tout le monde attendait, nous avons un nouveau champion du monde. Cette saison aura été serrée jusqu'au bout et il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Toutes nos félicitations au grand gagnant pour sa prestation. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau.
Daniel Ricciardo s'empare de la première place du championnat des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Daniel Ricciardo m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. Il a réalisé une performance incroyable. Le championnat des constructeurs est plus ou moins plié à ce stade, mais jetons quand même un œil au classement. Haas s'offre un triomphe total avec ce titre de champion du monde des constructeurs. Ils sont peut-être nouveaux dans ce sport, mais ils y ont déjà leur place. Alfa Romeo peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de ce Grand Prix. L'écurie est parvenue à monter au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Donc ça y est, la saison est donc terminée et on termine sur une victoire de Rémi Franglais quand même. C'est quelque chose d'assez historique. Kevin Vinel, champion du monde pour Formule X Renault. Si tu m'avais dit ça avant le début de la saison, je ne t'aurais absolument pas cru. Il partait depuis la 13e place. Même s'il y a certains moments controversés où Kevin a énormément profité de ces situations-là, bon, on peut rien dire, il a gagné le titre, qu'est-ce que tu veux faire ? Bien joué à lui. Vous voyez le reste du classement. Nous, on fait une dernière course à oublier. Vivement la saison prochaine avec notre nouveau challenge Audi et tous les transferts qui vont avoir lieu. Je crois qu'à part Mercedes, toutes les autres équipes ont au moins un changement de pilote, donc ça risque d'être très intéressant de savoir qui se place où, surtout avec le changement de réglementation. L'ordre peut être complètement changé, donc ça peut être vraiment du grand n'importe quoi. Ça va être très drôle. En tout cas, voici le classement final. Kevin Vettel, champion du monde, cette fois-ci, champion du monde de Formule 1, on peut le dire. Il n'a pas fait de podium depuis l'Azerbaïdjan quand même, et il a réussi son coup. Franchement, c'est exceptionnel. Ensuite, on a Guillaume qui est passé vraiment à ça de devenir champion du monde alors qu'il avait plus de 100 points de retard il y a peu. Franchement, il a fait l'un des plus gros comebacks du siècle et s'il avait réussi, ça aurait été d'autant plus beau. Mais ne serait-ce que de faire deuxième dans ces conditions-là, c'est exceptionnel. Ensuite, on a Nick Sam qui prend quand même la troisième place du championnat. Un nouvel abandon la dernière course pour lui. Décidément, il s'appelle pas Jinx sa mère pour rien du tout. Timoun 4e, on est donc 5e devant Jambon 6e. Et puis on a un gros gouffre avec Noctawa Best of the Rest devant Tovigno, Belinda, de Mister Louis et Franglais qui du coup font un gros bon classement avec leur podium et leur victoire là. Ensuite on a Auré Fox qui donc a disputé son dernier Grand Prix en France. Après on a Romain FRK qui a quand même terminé 5e et marque de bons points pour Williams. Ensuite on a Agatou, Andraken et de McLaren, Mysterion qui a donc disputé son dernier Grand Prix. Et ensuite on a les deux Toro Rosso de Nox et Paul van der Ven et les deux Alfa Romeo. Du coup McTavish et de Santino Andreoli. Ensuite au constructeur, Toyota a pris donc le championnat constructeur, c'est déjà ça on va dire. Et ils sont donc les grands favoris pour la saison prochaine. Ensuite, nous avons Mercedes devant Formule X Renault, Red Bull, Ferrari, Williams, Benoît Sauber, McLaren, Toro Rosso et Alfa Romeo qui donc complètent ce classement constructeur. Et bah quelle saison ! Bah ce que je vous dis c'est que merci pour le soutien, franchement merci pour votre soutien exceptionnel. Au moment où je parle, on est quasiment 800 abonnés sur la chaîne, enfin, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à like, à sub et à commenter si vous avez apprécié mes vidéos, notamment cette vidéo bien sûr. Voilà, je fais pas souvent, mais bon, je le dis de temps en temps. Et puis, passez une bonne journée. Allez, ciao les amis, tchuss, portez-vous bien, c'est important.